Khalifa Ababacar Sall, né à Louga en 1956, de parents commerçants, il a grandi à Dakar dans le quartier de Grand Yoff. Il fréquente l'école primaire Morfar. Il poursuit ses études au lycée Blédian, où il obtient son baccalauréat. Il s'inscrit à la faculté des lettres, département d'histoire et géographie à l'université Cheikh Anta Diop. Entre-temps, il enseigne comme professeur d'histoire et géographie dans un collège de 1981 et 1982. Il obtient une maîtrise en histoire en 1983, puis une maîtrise en droit constitutionnel en 1987. Il est aussi un homme politique, membre du Parti socialiste, nommé plusieurs fois ministre sous la présidence de Abdou Diouf, maire de Dakar de 2009 à 2018. Le 18 avril 2009, Khalifa Sall est ainsi élu maire de Dakar. S'inspirant des conclusions des assises nationales prônant une gestion inclusive et participative. Il fait de la transparence son cheval de bataille, décliné autour de deux axes majeurs. La bonne gouvernance avec l'objectif d'un service public municipal de qualité, rendu aux citoyens suivant les standards les plus élevés de la transparence. Et la démocratie participative au moyen de nouvelles dynamiques inclusives afin de créer des cadres de mobilisation d'une citoyenneté active et vigilante. Il est le premier maire de la nouvelle commune d'arrondissement de Grand Yoff de 1996 à 2000. Après l'alternance politique intervenue en mars 2000, au Sénégal, Khalifa Sall met son expérience et son expertise au service de plusieurs pays de la sous-région africaine, notamment sur des questions électorales, renforcement des capacités et prérogatives des parlements. C'est ainsi qu'il a été membre actif du dialogue intercongolais et représente au niveau africain du réseau parlementaire sur la Banque mondiale et l'Association des parlementaires européens pour l'Afrique.